La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Les conséquences de la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole commune provoquent un sentiment d'abandon chez de nombreux agriculteurs. Le 18 mars dernier, vous m'avez répondu, Monsieur le ministre, que les comités de suivi veilleraient à la cohérence des nouvelles mesures dont la complexité est inégalée. Soit. Je souhaite donc beaucoup de courage aux membres de ces comités, ainsi qu'aux préfets chargés de veiller à leur bon déroulement. Malgré ce transfert de mise en œuvre des textes au sein des territoires, d'autres impacts de la nouvelle politique agricole commune demeurent. L'Agence des services et de paiement, ASP, chargée du versement des aides européennes, a indiqué être dans l'incapacité de verser les aides 2014, des mesures agro-environnementales territorialisées, mais aussi l'assurance récolte et l'aide couplée fécule. Et ceci au motif que les moyens humains sont accaparés par l'adaptation des outils informatiques aux nouvelles règles de la PAC jusqu'au 27 avril prochain. Alors que de nombreuses exploitations bénéficiant des aides assurent la diversité du monde agricole, c'est un véritable coup dur qui leur est porté. La date limite de paiement est ainsi reportée au 30 juin prochain, mais de nombreuses échéances de trésorerie sont prévues aux dates habituelles de versement, soit en ce moment même. Cette véritable désinvolture met à mal les trésoreries de ces exploitations qui se retrouvent malgré elles les otages de difficultés administratives sans précédent. Aussi, Monsieur le ministre, en dépit de toutes les bonnes volontés des représentants départementaux de l'État et de l'implication des comités de suivi, sur ce problème précis, rien ne sera possible sans une réelle implication de votre part. Alors ma question est unique. Sans détour, Monsieur le ministre, les bénéficiaires des aides 2014 MAET peuvent-ils compter sur votre aide ? Oui ou non ? La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, je n'ai pas attendu votre question pour me mobiliser sur le versement des aides à la politique agricole commune. Et heureusement, vous avez évoqué dans votre question au début l'idée de l'abandon. Je rappellerai que le budget consacré à la politique agricole commune sur une négociation européenne sera de 9 milliards. On verra pour la suite ceux qui négocieront après, mais aujourd'hui, cet argent sera distribué aux agriculteurs. Quand vous parlez de l'ASP, vous informez la représentation nationale de choses qui ne sont pas remontées jusqu'au ministre de l'Agriculture. Et si nous avons des retards et si nous avons pris des délais, Madame la députée, je l'ai déjà dit, c'est à cause de quoi ? C'est à cause du fait que pendant toute l'année 2014, nous avons été obligés, au plus que Sarkozy, Monsieur Bussereau et avant Monsieur Le Maire, donc Sarkozy et Monsieur Chirac, il y en a pour les deux. Vous aviez fait et mis en œuvre. S'il vous plaît, je sais bien qu'on ne se voit pas la semaine prochaine, mais quand même, qui nous a conduit, vous n'êtes pas obligé de faire du bruit pour deux semaines. Un apurement de 3 milliards d'euros, parce que ce que vous aviez fait n'était pas correct. Il a fallu s'il le vous corriger. Plaît. Et c'est parce que nous l'avons corrigé que nous prenons un délai, Madame la députée. Et tout sera fait. Et l'engagement n'est pas que je m'implique déjà depuis des mois. L'engagement, c'est que les agriculteurs touchent leurs aides, parce que c'est ça l'engagement qu'on doit prendre. Et c'est l'engagement que j'ai pris devant les agriculteurs et qu'a pris le Premier ministre au congrès de la FNSEA. Merci, Monsieur le ministre. La parole est...